Donc clairement, aujourd'hui, on est mieux dans le sud que dans le nord. Exactement, et ça va être le cas pour aujourd'hui, pour ces prochains jours, à part pour la journée de samedi du soleil, pour tout le monde, même si ce sera dur d'en profiter. Alors regardez, déjà hier, on retrouvait de belles conditions du côté du sud-est, à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, avec le soleil bien présent. Et c'était très agité dans le nord et le nord-ouest, comme ici en Bretagne, dans le Finistère, avec une forte houle, beaucoup de vent. Alors le vent qui va quand même faiblir aujourd'hui, ça restera plutôt calme sur une large moitié nord, quand même bien nuageux, avec quelques gouttes de pluie au programme. Vous le voyez, hein, la France vraiment en majorité sous les nuages, hormis pour le sud. Alors principalement vers le sud de l'Aquitaine ce matin, en allant jusqu'à la Provence, jusqu'à la Corse, avec quand même entre la Côte d'Azur et le Cap Corse de bonnes rafales de vent, parfois jusqu'à 80 km/h. Ailleurs, un ciel très nuageux, quasiment pas de pluie, même si on peut avoir 2-3 gouttes, notamment vers le Limousin, jusqu'aux Alpes du Nord, en remontant jusqu'au nord-est. Même scénario pour le Nord-Pas-de-Calais, rien à voir hein, par rapport à hier, avec le vent qui aura bien faibli, mais qui pourrait quand même se renforcer un petit peu cet après-midi vers les bords de Manche, rafale autour des 70 km/h. Encore une bonne couverture nuageuse sur les deux tiers nord du pays. Quelques trouées peut-être du côté du massif central en allant jusqu'au nord-ouest. Encore 2-3 gouttes de pluie en direction de la frontière belge ou encore de la frontière allemande. Pour les températures, relativement douces hein, ce matin. 8 degrés entre Toulouse et Aurillac, 14 degrés à La Rochelle, 12 à Paris, 11 degrés pour la région Grand Est. Et dans le courant de l'après-midi, ça grimpe, des températures assez agréables hein, dans le sud. Toujours 22 degrés à Perpignan, 19 à Toulouse, 13 degrés à Aurillac. Et vous le voyez, ça grimpe aussi hein, sur la moitié nord, avec des températures comprises entre 14 et 16 degrés très souvent. Pour la fin de la semaine, les températures seront printanières. Et oui, justement, les températures vont grimper jusqu'à au moins lundi. Elles seront très agréables, au-dessus des normales de saison. Alors, toujours un petit peu désagréable côté ciel pour la moitié nord demain. On retrouvera quand même un temps sec partout, avec le temps qui devrait s'éclaircir dans le courant de l'après-midi. Et puis le soleil hein, qui sera bien présent quand même pour la journée de samedi, avec une nouvelle perturbation qui arrivera quand même par le nord-ouest et qui devrait gagner du terrain pour dimanche et pour lundi sur le nord-ouest de la France. Elle va onduler. Quelques passages nuageux aussi autour du golfe du Lyon. Lundi, les températures extrêmement douce, parfois 5-6 degrés, voire plus au-dessus des normales de saison, 21 degrés en moyenne pour le sud, 19 pour le nord. Et puis on changera de masse d'air à partir de mardi avec cette perturbation qui va s'enfoncer vers le sud et vers l'est, et des températures cette fois-ci qui seront basses pour la saison, notamment pour mercredi.